Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Alors je suis Julien et comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour Julien, je viens te voir parce que j'ai besoin de tes services. Voilà, mon neveu sort très tard le soir et il n'arrive pas à se lever le matin. Du coup, je me suis dit que la solution serait de préparer un petit déjeuner alléchant. Le maître, c'est toi, donc me voilà. J'ai retrouvé le défi de Maxime qui te défie de cuisiner un petit déjeuner complet sucré à moins de 3 euros par personne. Ah, les adolescents rebelles. Eh bien, le meilleur moyen de les apprivoiser, c'est en les faisant manger, tiens. Alors, je te propose un chocolat chaud épais, un smoothie vitaminé, un porridge sucré aux fruits frais et pour finir, pancake express à la confiture de fraises. Allez, debout là-dedans. Alors, pour le chocolat chaud, pour 4 personnes, je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe de cacao en poudre brute non sucrée, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 50 cl de lait entier et 50 cl d'eau. Alors, on mixe le cacao, le sucre, la fécule de maïs, le lait et l'eau dans un blender. On verse dans une casserole, on fait chauffer à feu moyen en remuant sans cesse avec le fouet jusqu'à ce que le chocolat soit bien épais et on sert bien chaud. Ah oui, d'accord. C'est toi le neveu en question. Hein. Tu m'as pas l'air encore bien réveillé là, non? Ok, alors, on passe au niveau supérieur. Hein. Alors, pour le smoothie vitaminé, je vais avoir besoin de 4 bananes, 4 kiwis, 2 oranges à jus, 2 yaourts brassés nature au lait de Normandie, 1 cuillère à soupe de miel de fleur doux et onctueux et 10 glaçons. On pèle et on coupe les bananes et les kiwis en morceaux, on presse les oranges, on réunit tous les ingrédients dans un blender et on mixe pour obtenir une consistance veloutée, on sert très frais dans des verres. Ouais. Tu m'as l'air d'aller un peu mieux, mais... T'es toujours pas très loquace, hein, mais t'inquiète pas, je sais ce qu'il faut pour te redonner définitivement la pêche. Pour le porridge sucré aux fruits frais, je vais avoir besoin de 150 g de flocons d'avoine, 1 litre de lait entier, 40 g de sucre en poudre, 2 poires, 2 pommes, 1 demi-citron, 1 demi-flacon de miel doux pour servir. Alors, on mélange le lait et le sucre dans une casserole, on porte à ébullition en surveillant attentivement, puis on verse les flocons d'avoine en remuant. On baisse le feu, on laisse mijoter 5 minutes à feu très doux en remuant de temps en temps, et pendant ce temps, on pèle les poires et les pommes, puis on les coupe en morceaux. On les arrose ensuite de jus de citron, on verse le porridge dans les bols, on répartit les fruits frais et on sert avec du miel. Petite astuce, on peut remplacer les pommes et les poires par tous les fruits de saison que vous aimez. Ah, ça va beaucoup mieux, là, hein. C'était encore un dernier petit truc pour moi, histoire d'être définitivement frais et d'avoir l'estomac bien rempli, ce serait génial. Bon, bah écoute, ça me fait plaisir. Et alors, justement, attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, pour les pancakes express à la confiture de fraises, j'ai besoin de 250 g de farine de blé pour pâtisserie et cuisine, un sachet de levure chimique, 50 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 25 cl de lait entier, 3 œufs de poule élevés en plein air, 50 g de beurre doux fondu, plus une quantité suffisante pour la cuisson, et pour servir, un pot de confiture de fraises. On mélange les ingrédients secs dans un petit saladier et les ingrédients liquides, dont le beurre, dans un bol. On verse le mélange liquide dans le mélange sec. On mélange rapidement avec un fouet pour amalgamer les préparations sans chercher à obtenir un mélange homogène. On fait chauffer une noix de beurre dans une poêle antiadhésive à feu moyen. On y dépose 3 ou 4 petites louches de pâte. Et quand le dessus fait des bulles, on tourne avec une spatule et on laisse cuire jusqu'à ce que le dessous soit doré. On recommence jusqu'à épuisement de la pâte et on sert chaud avec la confiture. Ah yes, c'est super sympa Julien. Là, je suis bien chaud pour profiter à fond de ma journée, quoi. Oh mon Dieu, ça c'est belle lurette que je l'avais plus vue aussi réveillée en journée. Hein. T'es un vrai magicien, Julien. Et puis par la même occasion, tu as répondu au défi de Maxime qui était de réaliser un petit déjeuner sucré pour moins de 3 euros par personne. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Eh, si toi aussi t'as envie de te réveiller frais comme un gardon, eh ben c'est simple, tu t'abonnes à la chaîne Marmiton, tu regardes notre épisode ou tu laisses un commentaire.